Bonjour tout le monde, c'est Jack Booby et on se retrouve sur du Star Wars Survivor. Quand on continue la suite de nos aventures et que ben, nous sommes devant là, je sais pas où il faut y aller. Oui. Est-ce que je dois monter à quelque part? D'accord, ok. Bonjour. Ah. Oh, c'est coupé les cheveux, elle. Continuez. Frère Arnias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jeddah. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit? Tu n'as jamais demandé. De plus... il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister. Qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Mmh. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais pendant que l'Empire avait les yeux rivés, salut Zero, Zerox. Nous avons pu construire ce réseau. Lol, comment vas-tu? Trouver des alliés et sauver des vies. Désolé, j'ai pas vu tout de suite ton message. Comment vas-tu? J'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que les Jedi étaient plus que des armes. Ça va et toi? Ça va bien, merci. Tu connais le jeu ou pas du tout? Tu connais l'histoire du premier qu'ils ont fait? Alors, il est bien le jeu? Oui, il est nickel, ouais. Alors, l'histoire est... regardez-moi un peu ça. C'est spécial. On peut pas dire que ça manque de personnalité. Mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Hé, hey, bonjour, BD. Bon, hey, ça va, hein? Alors... mais est-ce que t'as déjà fait le premier Jedi Fallen Order? Pas du tout. La tempête a couvert nos traces. Mais malheureusement, l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé, puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce? Je vous présente Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon un problème. Hé hey, on est tous ensemble. Ah oui. Après, ça dépend quelle plateforme. Ouais, je connais le premier jeu. Ok, tu l'as fait le premier, ok, d'accord. Bon, en fait, c'est une suite logique, et puis... ouais, alors le début, c'est assez spécial, parce que t'es un peu perdu, quoi. Les personnages ont changé. Bah oui, ils ont avancé envers le temps, tu vois. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Gera, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Non, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Gera. Il avait une base sur Kobo.
Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. À vous deux. Ah, salut Albus, comment vas-tu ? Foiré. La force soit avec vous. Et avec toi. MDR, ta barbe ressemble à celle de Cal. Bah oui, j'ai un peu de... Je suis un peu rouquin de base, tu vois, quoi. En tout cas, ma barbe, oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Lune brisée, ok, d'accord. Je vais t'accompagner au Mantis. Donc tu viens pas avec nous ? Je peux pas. Tu peux pas. Pourquoi tu peux pas ? Alors, où est-ce qu'on va en premier ? Sur Kobo ou sur la Lune ? Je sais pas. En live que ici. Non, sur YouTube aussi. Ouais, allons enquêter là-bas. Dagan Gera a forcément laissé. Sur YouTube aussi en même temps. On part quand tu veux. Je sais pas lequel je veux y aller d'abord. Ah, Carl. J'espérais pouvoir vous parler de quelque chose. Dis-moi. Il y a un site dans le désert nord. Il est plutôt ancien. Je m'y suis rendu durant mes premiers jours sur Jedha, avant que l'Empire ne s'installe. Quel genre de site ? Il a été construit par ceux qui vénéraient les adeptes de la Force. On en sait peu sur eux, mais c'était fascinant. Ça vous intéressera peut-être. On ira voir okay. ça. Ok. Monkey D. JL. Monkey D. Monsieur Monkey D. Bonjour, comment allez-vous ? Cordova dit vous avoir trouvé alors qu'il ouais. cherchait d'autres Jedi survivants. Il me semblait que c'était toi, Albus, ouais. J'ai encore peine à croire que le destin nous ait réunis après tout ce temps. Un coup de chance qui nous aurait bien servi pendant qu'on cherchait l'Holocron. Je sais. Chance ou destin, peu importe. Je me réjouis que mon maître soit avec nous, bien en vie. Oui. Et plus décidé que jamais à nourrir la flamme des Jedi pour résister à l'Empire. Calme, mon ami. Vous avez déjà fait connaissance avec Sir Dask ? Je ne crois pas, non. Il faut aller vous présenter. C'est notre archiviste en chef. Et même si elle ne l'admettra pas, elle a hâte de vous rencontrer. Je passerai la voir. Très bien. Mais prenez garde à vos manières. C'est une narquie pure et dure. Va faire le tour des archives, Cal. On discutera plus tard. D'accord. Bon, on va sauvegarder. Se reposer. Ok. Allons plus loin. Face à la force des autres. La première tablette ne disait-elle pas « la force vitale fleurit » ? Perspicace. Elles sont complètement incompatibles. Nous cherchons la vérité universelle, mon frère. Si une tablette parle de faner et l'autre de fleurir, elles ne sont pas universelles. Ok. Mais alors, qu'ont-elles donc en commun ? Qu'ont-elles donc en commun, mon frère ? Eh bien, qu'il faut les lire. Plus de tergiversation. Oui, d'accord. Licence Space. Hein. Ok. Ok, on va aller voir là. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout non plus. Bon, on va aller par là, sinon on devra revenir en arrière. Je voulais vous dire, nous avons trouvé 2 douzaines de manuscrits hier. Impressionnant. Tout vient de la cage du Nord ? Oui. Les impériaux ont failli repérer nos chercheurs, mais ils connaissent le terrain. Bien. Pardonnez-moi, est-ce de l'indifférence que je détecte ? Je pensais que tout contact impérial était important. De l'indifférence ? Non, ma sœur.
J'hésite simplement à... C'est si bon de te revoir, Meereen. Qu'est-ce qui t'amène sur Jeddah? J'ai rencontré un groupe pendant mes voyages. Ils cachaient les personnes sensibles à la force de l'Empire. Connaissez-vous le passage? Tiens. Voulez-vous contempler un trésor sacré? Puis ça, c'est les parchemins pour avoir ça. D'accord, ok. Non, merde. J'étais trop vite. Voilà. La sagesse que vous avez retrouvée est une bénédiction pour nous tous. Hein? What? J'ai eu un joli bug là. Tu as beaucoup voyagé. As-tu trouvé des systèmes qui échappent à l'emprise de l'Empire? Je n'en ai croisé aucun. Il y a d'innombrables ruines disséminées partout dans le désert. L'une d'elles pourrait faire une cachette idéale pour le passage. Ok. Continuons. La voie est close, étranger. Ah. Je suis désolé, Jedi. Cette porte doit rester fermée. Nous avons repéré des patrouilles impériales. Je comprends. D'équerre, patrouille impériale. Une vieille motojet Aratech. J'ai jamais pu en conduire. Peut-être t'auras l'occasion. Ok. Rien ici. Rien là non plus. Ok, ça ouvre la porte là en haut. On va descendre. Aller en arrière. Respire. Votre compétence. J'ai pas mis dans les autres survie.
Quoi dans la survie? Ah là, en font deux à chaque fois, ok. Ok. Ah, merde. Cal, attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes, et je me suis dit que ça pourrait te servir. Merin, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Alors attends, comment ça marche ? Détends-toi, Cal. Concentre-toi et appuie sur la détente. Ah, ok, d'accord. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Tout le monde. Ok. On va garder. Mais je vais quand même garder le. Pour l'instant, double sabre laser. Mais on testera en combat les avec l'arme. C'est une sacrée opération que Seré a mise en place. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toute cette roche, ça brouille naturellement les capteurs. Et s'il y en a qui passent malgré tout, les anachorètes auront plein d'eau l'eau à leur balancer. Je comprends comment Seré a réussi à échapper à l'Empire pendant si longtemps. Elle pense à tout. Elle garde une bonne partie de son pouvoir pour atteindre un objectif plus grand encore. Ouais, clairement, elle cache bien son jeu. Ça vous fait un point commun. Fais attention à l'Empire. Ouais, oui, tout à fait, Albus. Ouais. C'est sympa de te voir, Myrine. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. J'arrive pas à croire que Maître Cordova soit ici. Après tout ce temps à suivre ses traces. J'ai bien aimé faire sa connaissance. Je n'avais jamais connu un Jedi avec autant d'humour. Tu ne connais que Seré et moi. C'est ça. Je me ferais bien un steak de skaz, là. Bon. On va où, BD ?
C'est qui ça, Tachishanon, derrière toi? Derrière moi? Bah, c'est des personnages. Si t'as jamais vu le premier jeu Jedi Fallen Order. À droite, là? Tu dis la fille ou le gars? Bah, c'est Bob. C'est Bob. Attends, comment il s'appelle? Putain, j'ai plus le nom maintenant. Moi, ma question est, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires encore? Ah, le druide, c'est BD, c'est BD, c'est mon petit druide. Mon petit druide à moi, il est tout le temps avec moi. Petit druide. C'est BD. Il est trop fort, BD. Où on va aller? Laver sa cape. Attends, mais là, il y a une quête secondaire encore, là. Bah, j'ai fait aussi les autres quêtes secondaires, là. Ah, j'aime bien son style, c'est un peu style sur Jedi, le pouvoir de la force avec des choses déchirées. Ah, il faut aller par là-bas, ok, d'accord. Bon, alors on revient en arrière. Bon, il y aura sûrement une petite ellipse là sur la vidéo. Je vais quand même aller faire ces petites quêtes secondaires là-bas parce que des fois il y a des récompenses intéressantes dans le jeu justement. Aussi les quêtes secondaires que je dois faire aussi à gauche à droite pour avoir des nouveaux pouvoirs. Ah merde. Ça par contre c'est chiant ça. Les archives. Heureusement que t'as pas eu à braver cette tempête. Et ça fait quoi de se retrouver aux commandes du Mantis? C'est comme rentrer chez soi. Alors pourquoi tu es triste? Ben, ça fait trop longtemps. Mes instincts de pilote sont émoussés. Ah. Je sais à quel point c'est dur de reprendre ses habitudes quand on a perdu la main. Ah oui, hein. Enfin, je regrette d'avoir quitté le Mantis. Je continue de penser que je vais me planter. Tu es parti par nécessité. Je suis sûr que tu retrouveras tes repères rapidement. Oui, oui, d'accord. T'es un bon ami, Cal. Yep. Reprenons le chemin où on est allé. On va parler d'un seigneur Sith, là. Bonjour, Mewen Lab. Lab, comment vas-tu? Si j'ai charcuté ton nom. Comment vas-tu? Bon, maintenant je suis là. Je veux bien aller là-bas, mais je vais comment? Ah, mais peut-être il faut... D'accord. Est-ce qu'il faut pousser depuis au fond? Les deux? Ça ouvre la porte? Je crois que c'est ça, ouais. Ou alors, c'était prévu que j'aille en arrière, en fait. Hop. Maître Junda a dit que vous viendriez. C'est un honneur de rencontrer quelqu'un qu'elle estime autant. Puis-je vous escorter?
Je n'ai jamais rencontré de sorcière et j'ai tant de questions. Ah, je crois l'AB m'a pas répondu. Ah. Je crois que la vidéo a explosé. Je crois. Yo, comment ça va? Alors moi, je vais bien. Ah, salut Gaming B Dan. Je t'appelais Dan, j'arrive jamais à dire ton pseudo. Comment vas-tu? Je crois que la vidéo a explosé, la vidéo du short. Ouais, je crois que c'est le cas, ouais. Bon bah tant mieux. Parce que nous sommes des Américains. Non, je plaisante. T'es à combien? Alors là, ça monte. Je suis passé de 100 à 300 là. C'est bon, la vidéo elle a éclaté, comme je dis. Ouais, mais pas de soucis, merci et toi. Bon, il y a un décalage hein, dans le, quand vous écrivez sur YouTube, hein, y a un décalage. Hein. C'est normal. Hein. Sur Twitch, c'est plus instantané. Par contre, je m'imagine que je dois monter là en haut. Ah, peut-être là. Ok. Comment on se retrouve? Ah, d'accord. Donc elle vient avec moi pour là-bas, d'accord. Ok. Ok, c'est bon, j'ai regardé ton short, nous sommes des Américains. Pas de soucis. Elle est pas mal celle-là, j'aime bien. C'est gentil à toi, merci. Merci, maître Junda. Nous y sommes presque. Alors, qu'en pensez-vous? Ouais. C'est vieux, abandonné et au milieu de nulle part. C'est parfait. Ok. Ok. Eh ben de rien. Tant que ça fait rire, ça fait plaisir aux gens de regarder le reste, c'est bon. Alors, se reposer. Non, j'ai pas de compétences, rien. Tu vas retravailler pour So Guerrera? Je sais pas. J'ai pas de nouvelles de lui depuis Coruscant. Par contre, ouais. Ah, en plus c'est dans. D'accord, c'est dans le chemin. D'accord, ok. Tu sais que j'ai le même boulot. Hein? Ok. Merde. Ah bon. Ok. Encore un gars qui me connaît. Ah mais ouais d'accord, ok. Le petit enfant est de retour, comme on dit. Ok. Envie de faire de la pub. Mais j'ai jamais dit de faire de la pub. Hein. Alors attends, bon. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que tu baragouines, mon petit gars? Hop. Allez. Hop, parfait.
Et on va aller par là-bas. On va aller là-bas pour faire la quête là-bas. Hop, nice. Bah non, tu fais pas ta pipe sur mon live, t'es bête ou bien? Ça se fait pas, c'est impoli. Calme-toi, hein. Sinon, ça va être un ban, hein. Ouais. Ok. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord, c'est ouvert la quête secondaire. D'accord, ok. Ok, pas de problème. Attention, je sens un danger à proximité. Oula. Aïe, aïe, aïe. Comment il s'est suicidé, hein? Non, oh putain. Je me suis fait éclater la gueule. Je me suis fait éclater la gueule, je sais pas le manga que tu me parles. Parce que je suis concentré sur Star Wars. Peut-être j'ai déjà vu, peut-être pas. Oula, c'est quoi ça? Ah, ok, c'est elle. Ah mais putain. J'adore. Lindor. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Donc c'est le bon chemin. Ah, bonjour vous. Ah, ah oui, ça, je veux bien BD. Ok, c'est pour là, d'accord. Ennemi droit devant. Ouais. Chanson. Bah la vie d'Avir. Quelle vue. C'est plus facile de l'admirer sans ses pèlerins. Bon, allez, dégage. Essayons ça. Ah, d'accord, ok. Ah, ça a ouvert une porte, ok, d'accord. Hop, ok.
D'accord, je me suis loupé, je sais pas pourquoi. Alors, regardez tous les Star Wars, ok. La peur est le chemin du côté obscur, la peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Qui dit ça? Ok. Ça marche pas ce que je veux, d'accord. Ah, d'accord, ok. Des ennemis. Putain. On va les exterminer. C'est déjà fini? Envoie-moi un skill si tu peux. Allez, dégage. Ça m'a manqué de combattre à tes côtés. Ça, c'est des nouveaux, ça. Bien joué, BD. Ça, c'est des nouveaux. Qu'est-ce que c'est? La lune des pèlerins ne cesse de m'ébahir et de me ravir. Les fidèles des adeptes de la force. Même il y a eu une série dessus. Bah, il y a eu plein de séries Star Wars. Je me demande. Parfois, tout ce qu'il y a dans le désert commence à se ressembler. Concentre-toi sur ce qui est différent. Bah oui, il est, oui, c'est le nouveau jeu. Bah bien sûr, c'est écrit sur le titre. Ok. Ouais. Il y a un truc que j'ai loupé là, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Je comprends pas l'idée. Il y a quelque chose à faire là ? Je vois s'il y a un truc là en haut. Non, il n'y a rien, d'accord. Pourquoi j'ai toujours le point alors? Il y a un truc que j'ai loupé? Moi pas comprendre.
Ma pas comprendre comment ça marche. Comment tu trouves le désert, BD? Ça lui plaît ici. Un truc que j'ai oublié. Oui, mais il y a eu d'autres séries Star Wars, si jamais. Hein. Il n'y a pas eu que Clone Wars. Hein. Il y a Bad Batch, il y a The Mandalorian, il y a bien assez de séries. Il faut que des séries actuellement. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc là? J'en train de juste regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire. Parce que normalement, ça aurait dû... Je sais qu'il y a eu d'autres séries. Je les ai tous regardées, les séries. Ah, mais attends. D'accord. Donc, il y a un truc à faire, là. Il y a un truc à faire, là. Merde. Comment je pourrais descendre? Merde. Qu'est-ce que... Non, merde. Je crois que je vais descendre avec l'oiseau, là. C'est un truc à faire, en fait, là. Il faut remonter... Ah non, merde. Ok, il y a un truc à faire ici. J'ai pas possibilité de prendre ça. A l'air de s'étendre à l'infini. Oui, ça continue de me surprendre. Ah, attends, voir. Est-ce que ça va me cacher, ça? Je crois que c'est bon. Il y a un truc, là. Ouais, je dois pousser ça, d'accord, ok. Merde. B, d'accord. Au revoir, par ici. Je vais bien. Ok. D'accord, ok. Donc, il y a bien un truc à faire ici. Ok, d'accord. Ok. On va pousser ça. Essayons ça. Merde. Voilà. Ce n'est pas là. La...
Ok. Essayons ça. Semblait que j'avais oublié un truc à faire. Hop. Je crois que c'est bon. Bon, on va avancer encore un peu. Si tu lui répètes ça, je me vengerai. D'accord, j'ai compris. Je me demande ce que ça fait. Bien joué, Cal. Bah, ça a ouvert. Ah, ça a ouvert là, d'accord. Qu'est-ce que ça m'a ouvert? Ah. Ok. Ok, d'accord. Ça m'a donné un truc. L'XP. Ok, si tu veux. Ah, je peux pas voir le... Ok. Donc ici, ça a été fait. Maintenant. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, c'était sur le short, c'était une blague, hein. Là, ok, là on est bon, là on est bon. On a fait la quête secondaire, là, c'est bon. Il n'y en a pas d'autres, il me semble. Voilà, c'était où on était, d'accord. Ah, il y a encore d'autres endroits à découvrir, il me semble. Ah non, ça on a découvert, ok. Ok, là on est pas mal, on est bon. Je pense qu'on va quand même aller découvrir par là-bas, en fait. J'arrive pas à croire que Cordova soit sur Jeddah. T'aurais dû voir ta tête. T'étais en état de choc. Ralenti, tout doux. Là-bas, on a quoi? Ah, je peux pas y aller, c'est toujours fermé. Ok, d'accord. On arrive là. Bon, retournons au vaisseau, puis on va aller sur... Là, il n'y a plus de quête secondaire, là. Quête secondaire là donc
On va partir avec le vaisseau. On va faire encore 15 minutes de vidéo là. 15 en tout cas, 15-20 minutes. J'ai perdu pas mal de temps en cherchant cette connerie là. Ah ouais, d'accord. Pas tellement sauté là. Je peux même mourir comme ça, d'accord. D'accord. LOL. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais je suis tombé, mais je suis... D'accord, je suis vraiment... Ouais. Aïe, 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 aïe. Je suis vraiment tombé comme une merde. Hein. Bon, on y va. Non, on va pas aller tout de suite, hein. Merde. Je suis vraiment tombé comme une merde. Hein. Bah, je saurais qu'il faudra pas aller dessus, hein. Non, merde. Oh. Ok. Ok, je peux tomber comme une merde, c'est bon. MDR quoi. Oh là 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 là. Parfait. Arrêt. Oh, il est ici. Pas pour Kobo, c'est ma tournée. Attendez, oubliez ce que j'ai dit. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal finalement. Tu les avais pas traités de cinglés? Ouais, ça c'était avant que Céré me dise qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon? Ouais, ils bossent avec un groupe qui s'appelle le Passage. C'est du top secret. Le répète à personne, surtout. C'est compris. On dirait que t'as une bonne équipe. Enfin, que t'avais. Tu vois ce que je veux dire? Pas sûr. Alors comme ça, Cordova pense qu'on découvrira comment traverser la liste dans l'ancien repère de Dagan. Exactement. T'y es déjà allé? Une fois. J'étais habité à l'époque. Maintenant, c'est plus qu'un tas de regrets et de vieilles pierres. Allez, Cal, assieds-toi.
bouger. Bon, à part... De Maître Cordova montre qu'il y a un village abandonné du côté est de la vallée. Allons jeter un œil. Normalement, ce serait là, ok. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro.